Du coup. Voilà, c'est bon, ça enregistre. Pour le speech, on t'avait déjà parlé du fait que tu vas devoir partir prêcher la bonne parole de la luz de la muerte. La luz de la muerte. Et aujourd'hui, du moins ce soir, sera la dernière soirée avant ta... Mon départ. Avant ton départ, il y a eu une grande soirée en soi. Et là, ça sera le lendemain matin où tout le monde t'attend devant chez toi. C'est un peu angoissant, hein. Je voudrais pas dire, mais bon. Alors, il faut que j'explique aux gens, c'est qui déjà ma mère, putain? Ça, c'est mon papa. C'est laquelle? Je sais plus. C'est pas celle-là. Ah si, ça, c'est ma maman. Elle, c'est ma deuxième maman. Et c'est laquelle, ma troisième maman? C'est elle, je crois. Et ça... Non, c'est elle, ma troisième maman. Attends, je dois scroller jusque les fiches de... Alors... Donc, mon papa, ma maman, deuxième maman, troisième maman, ma sœur, mon autre sœur, mon autre sœur, mon autre sœur. Et ça, c'est mon cousin. Il est où, mon oncle? Non, c'est mon oncle. Oh, je sais plus. Oui, c'est ton tonton. Tonton. C'est tonton. Bah, il y a peut-être mes cousines aussi dans le lot, je sais plus. Bon, il y a tout le monde. Ouais, bon, c'est la famille, quoi. Techniquement, il y en a même un peu plus parce que voilà, mais c'est oui. Tous ceux que j'ai pu upload. Eh bien, il faut que je sorte. Tu peux te poser ton token. Voilà. Tu as déjà vu par la fenêtre qu'il y a foule. Oh, ils sont tous en train de me guérir. Avec des paillettes, du riz, tout ce que tu veux, là, qui vont lancer. On t'a fourni tes pactages, quand même, pour voyager, tente, vivre, etc. Mm-hmm. Et ben... Fille. Quoi? Ma fille. Je vais pas y arriver, putain. Je galère un petit peu. Aujourd'hui, ma fille. Arrête de rire. Aujourd'hui, ma fille, c'est le grand jour. Tu es un adulte. C'est galère. Je suis désolée. Surtout que j'ai pas préparé en fait cette partie là, je pensais que j'étais prêt, mais en fait, cette partie là, je l'ai pas préparé, je l'impro. Ah, c'est génial, meilleure intro. Quoi, tu portes sur tes épaules une grande responsabilité. Prends ce pactage, cette éteinte et ces vivres. Et va prêcher bonne parole dans tout le pays, dans tout Equestria. Dans tout le monde. Pardon. Je le fais pas trop caricatural. Non, je suis désolée. Attends, il faut que je sois dans mon perso là. Mm-hmm. Est-ce que tu peux répéter ta dernière phrase, s'il te plaît? Il faut que tu ailles prêcher la bonne parole dans tout le monde, tout le pays, enfin dans tout le pays, dans tout le monde, partout. J'hoche la tête avec un air, tu sais, solennel. Yenez-vous, ne vous décevrez pas. Tu ne nous as jamais déçus, fille. Et il te prend dans ses bras. C'est trop beau. Va lui rendre son câlin. Mon papa. Va maintenant. Vole de tes propres ailes. Mais il n'y en a pas d'ailes. Ah, caramba. Pardon. Mais il y a sous une licorne. Bah. Commence par faire ma reine. Les quelques nouveaux partisans que nous avons eus viennent de là-bas. D'accord. Alors c'est où sur la carte? Alors je te mets la map. Non, je sais où c'est moi qui ai mis la ville. Alors... La cité d'El Sol est ici, pour ceux qui ne voient pas, mais je l'ai mis encore pour l'instant
en couche-me-jeu. Oui. Et c'est... elle va être tout là. 2 jours de voyage. Wouhou ! Par ma reine, et puis je vais toute seule comme une pécore. Hein. Ouais. Bah, avant de partir, je ferai un gros câlin à tout le monde. Avec trop d'émotions. 3 jours plus tard. C'est ça. Vous ferez la bise. Chez nous, c'est 8. Allez. Je faisais le même coup à Golden. Chez nous, c'est 4. Et puis à chaque fois qu'il faisait la bise à quelqu'un, chez nous, c'est 6. Chez nous, c'est 8. Arrgh. Qu'est-ce que je suis BG quand même. Ouais. Ouais. Tu vas nous manquer, fille. Vous aussi, vous allez me manquer. Alors, une petite larme à l'œil, quand même. Qui fait couler ton maquillage. Ah non. Ne pleure pas, tout fait couler le masque. C'est teinté, très cher. Oh, il me faut un chemin, une haie d'honneur, oh là là. Oh là là. Allez, faites la hola. Ils ont tous des petits flambeaux aussi. Par où, là, ça ? Les clones, là. Les jumelles. Yes. Bah, du coup, je suis un peu triste, mais en même temps, je suis fière, donc... Je vais y aller en bombant un peu le torse de mon 20 cm et demi, là. Et à chaque fois que tu passes à côté de quelqu'un, c'est « Vive School Amor ! Vive School Amor ! Vive School Amor ! » Salope. Pardon ! Qui ? Qui a osé ? Qui a osé ? Eh, hey, je n'ai pas soulevé le cousin de la famille, moi, hein. Oh. Connasse. Oh là là, le mix de culture est parfait. Tu nous fais des cris, des you-you arabes pour des espagnols, c'est génial. Bah écoute-moi, on n'est pas raciste, hein, il y a de tout ici. Bon, bah du coup, le cœur un peu lourd, mais en même temps super fier. Je pars à l'aventure, compagnon. Lol. L'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester chez moi, la suite vous le dira. Mais... Ah bah ça a changé radicalement. De musique, je sais même pas si on entend. Bah elle était bien, elle. Non mais je change un peu, j'arrête pas de l'avoir cette... Ah ok. J'aurais quand même fait un câlin à tout le monde en partant. Hein. Ouais. Donc oui, c'est ça. Mes 3 mamans. Oui, parce qu'en fait, si on vous a pas dit, c'est que... ici, les étalons ont plusieurs femelles, voilà. Est-ce que les femelles ont plusieurs étalons? Bah, c'est pas encore arrivé, mais je pense que ça peut arriver. Elle, c'est la fille de... celle-là, je crois. Et elle est née genre 2 jours après moi. Non, c'est la fille de elle. Oh, je sais plus. Oh, oh là là. Trop de perso. En plus, t'as pas mis leur nom. Oh la merde. C'est honteux. Au revoir, tonton. Tonton, tata et tonton. Tonton et tata. Tonton aussi. Tonton aussi. Bref. Bah, je pars, hein. Voilà. Ouais. Regarde juste les maps, c'est... Elle est trop belle, cette map, d'ailleurs. Bon, elle est floue. Bon, ça sera pas vraiment une forêt, mais... J'ai pas upload d'autres maps. Bah, bravo. Ah, il y a le perso de... Non, c'est faux. Non, c'est faux. Je l'ai enlevé. Vite. Je n'ai rien vu. Tu n'as pas vu le token qui t'a montré avant moi. Et bah, je marche sur le sentier. Putain, mais je suis con, j'ai rangé mes dés, moi, du coup. Et bah, tu les ressors. Je trottine même, parce que le trotting, c'est important. Pom 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 pom, je descends gaiement. Pom 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 pom, niquez ta maman. Ouh là là, le téléphone. Pute, c'est ta daronne. Alors en attendant, qu'est-ce qui va se passer sur la route? Pas grand-chose, du moins pour cette première journée.
Le voyage est calme, très peu de visiteurs, très peu de voyageurs. Aucun voyageur. Très peu ou pas du tout, ouais, c'est pas pareil. Aucun, que dalle, ni nada. D'accord, même pas de petits écureuils à qui je pourrais lancer un gland. Des petits animaux, certes, qui n'ont aucune importance dans cette vie. Ah bah si, si je vois des animaux, je leur fais coucou, moi. Ça va, Blanche-Neige. Alors déjà, je suis pas blanche, hein, je suis orange, ok. Orange-Neige. Je vous trouve un peu raciste, mais je... Et toi, tu les aimes, les noirs? Je les aime beaucoup, avec de la sauce barbecue et des olives. Alors, tout ce qui sera dit ici sera diffusé sur YouTube. Hein. Je fais pas de montage. Voilà. D'accord. ils sauront comme ça que je crame des juifs. Putain, mais ferme ta gueule, je vais me faire van. Ce n'est pas mon compagnon depuis 7 ans, c'est faux. C'est faux, je les crame pas. Non, tais-toi. Tu vas dire un truc pire derrière, tais-toi. Ça suffit maintenant. Bref, du coup, bah, tu vas voyager toute la journée tranquillement, sans encombre. La météo est clément. Et une douce brise, bien qu'un poil fraîche pour cette fin d'hiver. Mm-hmm. J'ai pas la fin de la fraîche. Te caresse la crinière, là. Te caresse la crinière. Ouais. Oh là là. Parce que là, c'est pas possible. C'est quoi ce jeu, là? En fait, je parle, et après, dès que je prononce mon mot, j'ai oublié ce que je disais juste avant. Donc, du coup, je sais pas comment continuer la phrase quand j'ai un trou. T'es sûr que tu veux qu'on fasse ma session? Oui, c'est bon, ça va le faire. Attends, y'a un problème. Quoi donc? J'ai pas de béni. Oh, pardon, madame? Bah non, je te pardonne pas, non. Voilà, merci bien. De toute façon, je crois que maintenant, je vous ai autorisé pour les piocher, si jamais. Oui, mais c'est à toi de le faire, c'est toi le me jeu. Honte. Du coup, tu te baladeras tranquillement, sans trop de problèmes, jusqu'à la nuit tombée. Mmh. Bah... Et bah évidemment, fallait que ça... Des ombres, je suis morte. Bah écoute, quand c'est la nuit, enfin quand je vois que le soleil commence à descendre, je vais commencer à installer ma tente. J'ai même pas de survie, quoi. La meuf, elle part toute seule comme une cassos. Elle sait pas faire un feu. T'as quand même un bol. Quoi ? Malheur. T'as quand même un petit coup de bol dans ton malheur. Non, parce qu'en fait, j'ai pas de bol. Est-ce que je peux monter ma tente ? Oui, la tente, y'a pas de problème. Est-ce qu'on m'a appris à monter la tente avant de partir ? Oui, mais ça, y'a pas de problème. C'est juste si tu veux faire un feu, t'es de la survie, oui. Je peux pas bouger la tente, ça veut pas. Ah si, attends, pas. Non, je sais pas. Tu peux pas ? Normalement, vous avez... Bon. Attends. Ta mère ! Non, ça veut pas. En fait, j'ai un truc tente avec un bonhomme, mais... Ça veut pas, du coup, tu... Bon, bah, je ne sais pas. Et je peux pas essayer de faire un feu avec ma magie ? T'as quoi comme sort ? Je sais plus. Non, j'ai guérison, empathie et terreur. Ouais, tu vas faire peur au bois pour qu'il s'enflamme ? Oui. Bouh. Ah ! Bah, peut-être que ça va marcher, hein, je sais pas. Bon, bah, du coup, je me pèle le cul. Pendant que t'es en train de monter ta tente, petit jet de perception. La perception ! La perception ! J'avais oublié, j'ai un D4. Ah ! Oh ! Ça va ? Alors, tu entendrais un petit crack derrière toi. Derrière moi ? Ouais. Qui est là ? Je lance un petit dé juste pour savoir. Je suis bonne. Pardon. Oh, je voulais pas vous effrayer, excusez-moi, madame. Ah, c'est pas grave. Yes, oui, est-ce que la mort ? Et vous ? Je m'appelle Gabriel. Enchanté, Gabriel. C'est un joli
Joli maquillage. Ah, merci. C'est pour rendre hommage à la Luz de la Muerte. La quoi? Attends, je vais lui faire, je vais lui faire un jet de culture G quand même. Un jet de quoi? Lui fais un jet de culture G. Ouais, dans la quoi? La Luz de la Muerte. Qu'est-ce que c'est? C'est une licorne puissante qui nous protège des ombres. D'accord. Moi, je vais y aller. Intéressant. Elle ressemble à quoi, cette licorne? Ah bah, je sais pas. Vous savez pas? Non. Il y a que mon père qui l'avoue quand elle a chassé les ombres de l'ancienne cité du soleil. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Je me baladais. J'étais en train de chasser un petit peu pour me nourrir. Ah, d'accord. Vous savez pas faire du feu par hasard? Je vais essayer. Elle montre quelques bûches qu'elle a ramassées, mais tu sais, ça ressemble à rien. Genre, il y en a qui sont mouillées et tout. Trop lisse. Mais il essaye de faire frotter, de frotter le feu. Il y passe pendant un bon petit quart d'heure quand même, mais tu vas me faire un jet de perception. C'est le 4 là. Allô? Quoi? T'as fait 4 là? Oui. Ok. Tu entendras d'autres craquements de brindilles et lui aussi il va relever la tête genre... Oula. Quoi? Qui est là? Qui est là? Tu entendras un petit grognement. Ah. Coucou. Ah! Ah bah ça commence bien! Ouais, t'es la première à avoir fait un combat. Super! Oh oh! Ah! Alors, sachant que je suis pacifiste, est-ce que je suis pacifiste envers les Timberwolves? C'est une bonne question. Parce que c'est mineur, donc techniquement, je... Oui, oui, oui. C'est pas des créatures douées de conscience. Voilà, donc je peux pas les provoquer. Hein. Quoique. Regarde, j'ai fait. Ça pourrait être marrant de faire une intimidation sur le Timberwolf. Genre, je leur fais plus peur. Il y a moyen, ça dépend comment tu prends. Je relis juste le pacifiste. Mmh. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il y a? Il a fait des bêtises. Merde. Bah enfin. Là. Alors, votre héros déteste la violence, pacifiste mineur ne se bat que lorsqu'il n'a pas d'autre choix et n'accepte pas le meurtre de prisonniers ou de victimes, sans défense. Un pacifiste majeur ne combat un être vivant en aucune circonstance. Ouais, mais je suis mineur. Donc t'es mineur, donc ça devrait se faire. Pour te défendre, tu pourras. Ok. Donc, turn order. Aïe aïe aïe. Ah bah super. Ah, les cartes sont avec moi. Est-ce que j'ai pas une musique qui pourrait le faire? Oh, j'ai pas encore mis de musique de combat. Ah, j'ai peut-être celle-là, mais elle est peut-être un peu trop épique. Ah oui, totalement trop épique. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Allez, on va dire que... Allez, pour que les gens puissent admirer mon non-skill. Ok. Du coup, celui-ci, il va foncer directement vers ce Timberwolf ici. Mm-hmm. Et armé de ses griffes, il l'attaque. Où ça? Non, il loupe. Il a raté. Bouh! Bouh, Gabriel! Bouh, il est mauvais! Baby! Bouh, baby! Du coup, autour de ces magnifiques Timberwolves... Kib répond à l'agression. Oh non, il va mourir. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Ah, c'est bien l'aventure, hein. Ah donc c'est à plus... Ok.
Donc, là, ok. Du coup, tac, tac, tac. 1. Touche, il touche tous les 4 du coup. Ah, au revoir Gabriel. Dont 3 en prouesse. Oh putain. Au revoir Chez. Au revoir Chez. J'ai pas noté leurs dégâts. Ah si, c'est ça. Donc on va commencer par celui qui n'a pas fait mal. Pas fait trop mal. 48. Bon, 14. Oh putain. Rire. Je vais ouvrir Gabriel. Il se fera ouvrir aussi. Mais Gabriel! Gabriel! Je ne te connaissais pas, mais tu étais déjà mon. Oh. J'étais déjà amoureuse de toi, Gabriel! Eh ben, je crois qu'il va pas tenir longtemps, le Gabriel! Il se prend deux blessures déjà de la part de celui-là. Mmh. Je vois pas ta bon, flèche. Bon, il y a les trois contre. Autres. Ah non, j'ai pas. Putain, ta mère, la pute! Bon bah. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Il est par terre. Bah en fait, je crois qu'il se fait juste déchiqueter là actuellement devant toi. Oh. Ah. Bon bah je vais rentrer chez moi et puis je vais rire au là. Ah. Que fais-tu devant ce tel spectacle? Je suppose qu'il est vraiment bien mort là. Bah disons qu'en fait il s'est fait égorger, il y a ses tripes à l'air, vraiment. Il s'est fait défoncer en 10 secondes. Alors, je vais faire un jet d'âme pour commencer. Et le feu, il a toujours pas le feu. Il a arrêté son feu. Ok, et eh bah ben, je fais rien. Voilà. Je suis complètement terrorisée. Et eh bien en soi... C'est pas plus mal puisque les quatre Timberwolf emportent le cadavre et se cassent. Ah. Allez, Gabriel dans le dossier RIP. Ah, je me sens pas bien. Bonjour madame, moi je veux bien t'aider à faire du feu. Au secours. Le pauvre mec. Mais non, en plus je me suis dit tiens je vais applaudir ce premier griffon. Ouais bah il est mort. Le pauvre. Ah je me sens trop mal. Bah moi je reste buggée, voilà, je fais rien. Ok. L'aventure. Ah, quelle bonne idée. Ah bah d'accord, c'est ça, c'est... Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Aïe aïe aïe. Au secours, attends, je vais refaire un jet d'âme. Elle a 8 en âme, hein. Je te fais un 1, quoi. Ah bah là, ça passe. Merci pour le sang. C'était pas utile. Et puis d'où des Timberwolves et de bois bouffent de la viande. Mmh. Ta gueule, ta gueule. Ta gueule, c'est magique. Il faut bien que je leur trouve une raison pourquoi ils agressent les gens, c'est pas gratuit. Bah pour protéger leur forêt. Hein? Ah bah là ils l'ont bien protégé. Bah ouais, mais on a voulu faire du feu avec leur bois, c'est normal hein, voilà, mmh. Bon... Mais du coup, c'est exactement ce qu'elle... Ils voulaient faire du bois avec nos bébés. Tu sais que c'est ce qu'elle se dit, cette cruche, voilà. C'est qu'ils ont certainement voulu défendre leur forêt, qu'on a tué les arbres, donc du coup, bah, elle va juste reprendre sa tente et s'en aller. Voilà, voilà. Le petit spectacle, ah d'accord. Aïe, aïe, aïe. Et elle va marcher un moment, je pense. Et pendant qu'elle marchera, elle va prier la Lourdes de la Muerte. Que la Lourdes de la Muerte me protège, que la Lourdes de la Muerte me protège. Ah.
Oh putain de merde. Nani. Super Nani. Aïe aïe aïe. Oui donc répète tes prières en marchant. Et tu autorises la lumière de la corne, je suppose. Ou faut un sort spécial? Normalement faut un sort spécial. Tu pourras faire une petite lumière mais elle sera jamais suffisant. Oui mais je parle juste d'une petite lumière pour m'éclairer un tout petit peu. Ça sera très léger. Très 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 léger. Bah c'est pas grave, ça suffit pour voir mes sabots je suppose. À peine. Quand tu tends ton sabot tu vois pas le bout. Bon bah ça sera rien que je l'allume alors. À part me faire repérer. Alors... Bon, de toute façon, là, c'était au début de, du cocher du soleil, mais c'est vrai que si tu commences à t'avancer un petit peu, tu finiras par... faire totalement noir. Mmh. Légèrement éclairé par la lune. C'est la pleine lune ou pas? Alors, deux secondes. Alors, on n'est pas le 4 mars. Bah ouais, tiens, ça... non, ça sera la nouvelle lune. Bah en fait, non, il n'y a pas de lune. Il n'y a pas de lune? Ah bah super, bah c'est vraiment... En fait, je suis parti le meilleur jour, moi. C'est ma journée, là. Je croise un mec sympa, il m'aide à faire du feu, il n'y arrive pas, on allait manger, et puis c'est lui qui s'est fait manger. Voilà. Et maintenant, maintenant, il n'y a pas de lune. Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe, mais dans quoi je me suis embarquée? Au secours! Attends, je crois qu'on on peut le dire. Merci OMJ, j'avoue! Il y a Golden en MP. Mais reset la sauvegarde! Donc qu'est-ce que tu fais exactement du coup? Commence vraiment à faire sombre. Commence vraiment à faire sombre, bah franchement, je me suis assez éloignée de... J'ai marché beaucoup ou pas? Un peu, ouais, au moins une petite heure de plus. Bah écoute, je vais remettre ma tente. Et aller m'enfermer dedans avec un cadenas. Ah merde, il va mettre un gif. En fait, non. Oui, parce que je le dis pour les gens qui vont regarder la rediff. En fait, on s'amuse à mettre des gifs en rapport avec la session sur le Discord. Voilà. Mais fallait pas le dire. Et ma tante. Ah oui, bon. Faut que tu mettes le contrôle, hein. Mais normalement, t'es censé l'avoir, le contrôle. Bah, je te dis que non. Je peux cliquer dessus, mais... Oui, d'accord, c'est là le temps. Là, tu peux. Là, tu peux la mettre, normalement. C'était peut-être mon futur amour. Ouais. Je suis sûre que je vais rencontrer sa famille et que je vais devoir leur dire qu'il est mort. Le reste de la nuit se passera calmement. Enfin, ça dépend comment tu verras le calme. Les bruits de la nature peuvent être doux pour les oreilles qui n'ont pas vu de tels massacres. Bah, en fait, ça va, elle s'en remet bien. Hein. Ah, bon, je vais mieux. Je vais mieux. Elle se dit que si elle a été épargnée, c'est vraiment parce que la luz de la muerte veille sur moi. Et que je dois accomplir ma destinée. Lendemain matin. Bah, quand il fait jour et que ce putain de soleil me fait cuire dans ma tente, je vais sortir, je vais ranger. Ouais, encore, il te fera chauffer un petit peu, mais ça sera pas de la grosse cuisson vu que c'est de la fin de l'hiver. Oui, mais même, tu sais très bien que les tentes, c'est des fours.
Ça y est, t'es revenu, Oscar. Oui, non, mais elle est perchée, hein. C'est ça qui est drôle. Bon, bah du coup, elle range sa tente, elle va prendre un petit déj, je suppose que j'ai des rations. Oui, oui, on t'a fourni des rations. Bah, je prends mon petit déj, en plus j'ai pas mangé hier, donc ça m'a un peu coupé l'appétit de voir ce pauvre Gabriel se faire déchiqueter. Je suis tellement triste pour lui. Mais moi aussi, je le connaissais même pas, je suis trop triste. Pauvre mec. Il a voulu nous protéger et il est mort. Ah. Bon bah, je vais reprendre la route, hein. On va y aller. On va faire un petit jet de perception. Non. Oui. Si. J'ai fait un jet de proba, je suis désolé. Oh non, c'est pas vrai. Au secours. Tu auras vu quelques-unes de ses plumes quelque part plus loin. Mais t'es un connard ! Ris ! Et quelques os. Oh ! J'ai pas l'image, mais curse you, Ren. Curse you. Exactement. Curse you. Bon bah, j'ai dame. Pour voir si je dégueule. Je ne dégueule pas, je vais juste aller plus vite. Nyaong. T'as tué mon bonhomme. Je pars à l'aventure. Bref, soyons un peu sérieux. C'est moi qui dis ça, tu sais. Après quelques heures de voyage, tu finiras par tomber sur une grande ville. Une grande ville, enfin, le petit village de Farmaren. D'accord. Bah... La ville est assez calme en soi. Mm-hmm. Très peu de passages dedans. Ah putain! J'arrive par devant ou par derrière? Bah c'est comme tu veux, ma chérie. Bah, je vais prendre par devant. En soi, ça changera pas grand-chose puisque je vais te placer directement vers la prochaine étape puisque tu vas très certainement devoir chercher une auberge, je suppose. Puisqu'il se fera déjà presque nuit quand tu arriveras. Bah oui, alors. C'est con parce qu'à la base, il était sur cette map, Gabriel. Arrête ! Ça suffit. Je sais pas si j'ai mis la lumière dynamique. Non, je vois tout. Pas mise. Je vois tout. On s'en fout, c'est pas grave. D'accord. Le MJ, on a plus rien à foutre, tu sais. J'ai de la thune, au fait. Oui, tu as... Ah oui, c'est vrai, le dé de richesse. On est sur le dé de richesse, tu as un dé 6 en richesse. Je crois que tu me réexpliques un peu. Oui, je te réexpliquerai en temps voulu. D'accord. En soi, là, pour une chambre pour de... et pour de la bouffe, t'auras rien à faire. Ok. Eh ben, je vais rentrer. Bonjour, voyageuse. Hola. La tavernière qui est derrière dit, ah tiens donc une tarée, une partisante de la loose. Loose lumière. La partisante de la loose. Ah, j'avais même pas tilté. Là c'est bien la loose là, ouais. Ah putain. Entrez. Et vous faites pas prier. Bah du coup quand elle le dit, il y a mon visage qui s'illumine en mode oh, elle connaît. Elle va trottiner. Vous connaissez la Luz de la Muerte? Bah c'est juste à côté. De temps en temps on a du passage et on en entend souvent parler, donc oui. Juste, ça n'a rien à voir. Trop cute, voilà. Oui. Je tenais à le dire, c'est important. Magnifique. Mais elle aussi, ah, elle est belle. Tu as connu Gabriel, faut que je te le mette dans des films. Ah, ça suffit. Voilà. Au revoir, Ché. Au revoir, Ché. Oh, le pauvre, il était trop chou. Bon, bah... Il était tout jeune, en plus. Arrête. Il avait que 18 ans. Il est où le piaf qui fait ah là dans mes gifs là? Attends, je... Voilà, parfait.
Alors, qu'est-ce que je vous sers, du coup, madame ? Il va vous prendre... juste une chambre, s'il vous plaît. Une chambre ? Alors, j'ai juste... il ne me reste qu'une seule chambre et c'est une chambre double. J'espère que ça ne vous pose pas de problème. Oh non, pas de problème. est-ce que vous auriez un verre d'eau, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Tenez. Merci. Et juste quelque temps après que tu aies eu ton verre d'eau, quelqu'un rentre. Oh, mais je reconnais. Oui, je rentre. Moi, je reconnais. C'est la zouze de... Bon. Oh. Est-ce que je spoil les spectateurs ? Les spectateurs... Oh, laisse-leur la surprise. Okay. Faut bien que je leur laisse des surprises de temps en temps. Ils sauront bientôt de ça. Oui, oui. Bonjour. Eh, hey, bonjour, étrangère. Hola. Bonjour. Est-ce que vous auriez une chambre de disponible ce soir ? Je regrette, madame, je viens de fournir ma dernière. Ah. Ouais, tant pis. C'est moi qui l'ai prise, mais il y a deux lits, on peut partager si vous voulez. C'est un lit double, pas deux lits. Ah, ouais, c'est pas grave. Vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas ? Bah non. Yes, we school a more. Et vous ? Gold Ocean. Mais quelle... Pardon. Comment tu veux être sérieuse avec les gifs à côté là ? Bon, ça suffit. Voilà. Changer de fenêtre, pardon. Gold Ocean, enchanté. Moi de même. Et elle lui fait un gentil sourire. Tenez, j'ai une idée. J'ai qu'à vous payer le repas vu que vous payez la chambre. Oh, ben, il y avait mes rations. Oh, ça sera toujours plus... La tavernière dira, ça sera toujours meilleur un bon repas fait maison que des rations séchées. Oui, oui, c'est vrai. Ah, je vais vous préparer ça. Oh. Ben, les plats du jour. Gracias. Et gracias, madame. Oh, ce n'est rien. La moindre des choses. Oh, et attendez, madame. Oui. Je voulais savoir si j'avais l'autorisation de placarder cette affiche quelque part sur votre taverne. Il s'agit de quoi ? Un recrutement dans une agence de mercenaires privés. Des aventuriers, en gros, en somme. Et lit un petit peu le papelard. Des aventuriers, donc... une agence privée d'aventuriers qui partent à l'aventure. Pardon. Qui partent à l'aventure. du coup, oui, l'adresse à Stalingrad. Bon, écoutez, je vois pas de problème. Je peux très bien vous placarder ça. Ah, c'est gentil, merci. Du coup, elle le pine ici. Ok. Et elle va retourner faire sa bouffe. Bon, j'en ai pas pour longtemps. D'accord. Ça va, Cabbage ? Ouais. T'inquiète pas, il reviendra. Ah ! Ouais, je m'en doute. Oh non ! Je commence à m'inquiéter un peu quand même. T'es un grand gaillard, je te dis. Ah ! Ah ! Il était assis à côté de lui à la base. Arrête ! Salaud ! Au secours. T'es un connard. Oui. Tu me le paieras. C'est marrant votre maquillage sur la tête. Ah, mais c'est pas fait pour être drôle. Je voulais pas dire c'est marrant dans le sens c'est drôle, c'est je voulais dire plus intéressant. Vous êtes de la muerte, il me semble, quelque chose, je me souviens plus exactement, j'ai entendu parler vaguement de tout ça. Oui, c'est ça, c'est pour rendre hommage à la Luz de la Muerte, la sauveuse de la Cité del Sol.
Ah oui. Et elle nous protège des ombres. Je vois. Ça vous intéresse? Ben, les connaissances et toute la culture qui pourrait y découler, pourquoi pas, mais après, j'irai peut-être pas jusqu'à prier quelqu'un. Bah, je comprends qu'on l'a pas vu à l'œuvre. On peut ne pas forcément y croire, mais moi, elle m'a protégée et elle me protégera toute ma vie. Ah, vous l'avez vue? Non, mais mon père l'a vu. Ah, je vois. Il a vu retirer toutes les ombres de la cité del Sol quand on avait besoin d'un endroit pour vivre. D'accord. Intéressant. Et votre histoire d'aventurier, c'est quoi? Ah, on recherche des mercenaires. On a récemment ouvert une agence d'aventuriers privés. On ouvre juste une petite agence en fait. Et vous allez faire quoi? Bah, on fera quelques petites missions selon la demande de nos clients. Mais quel genre de mission? Bah, en tout genre, ça pourrait être de l'escorte, des enquêtes, des poursuites de meurtriers ou juste vaincre des grands monstres ou des trucs du genre. D'accord. Ou juste du transport de marchandises, ça sera vraiment en tout genre. D'accord. Ça vous intéresse? Bah, je sais pas si je serais très utile, mais ça dépend. Est-ce que y a du monde? Pour l'instant, on est 4. Pardon. Alors, pour le moment, on est 2. Mais on va devenir grand, je vous assure. J'ai bien dit qu'on était une petite agence et que c'était tout nouveau. Donc, oui, non, on est que 4 pour l'instant. Elle le dit pas. Hein. Ouais. Ah, d'accord. Ben, et Stalingrad, c'est grand, non? Oui, mais il y a beaucoup de passages. Des aventuriers de Wimborne qui passent généralement à Canterlot, enfin pour qui vont à Canterlot, passent généralement à Stalingrad et vice versa. Du coup, ce qui fait que c'est une ville qui a beaucoup de passages et potentiellement on a moyen d'avoir beaucoup de clients. Vous pensez qu'il pourrait venir? Bien sûr, on pourrait avoir besoin de tout. Vous êtes doué en quoi? Est-ce qu'il peut venir à Stalingrad? Pas forcément dans votre agence. On pourrait faire la route ensemble, peut-être. Ah bah oui, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Je vais justement passer la nuit ici puis repartir ensuite. D'accord. Et puis, si une fois là-bas ça m'intéresse... Yeah. J'ai de regarder les gifs, putain. Enfin, il pourrait peut-être me proposer. Ouais, pourquoi pas. Ravi de vous accueillir. C'est très gentil. Par contre, excusez-moi. Attends, je vais faire un petit jet d'intellect. Me déçois pas cette fois. Ça va. On va dire qu'elle a connecté ses deux neurones. Excusez-moi, il doit parler à ce Pégase là-bas. Ah, d'accord. Allez-y. Ouais, je lui fais un petit sourire, puis... C'est un monsieur ou une dame? C'est un monsieur. Un monsieur. Excusez-moi. Oui. Je suis Skoulamor. J'ai entendu que vous attendiez quelqu'un. Oui. J'imagine qu'il ne devrait plus tarder. Il s'est un petit peu éloigné. Est-ce que vous pouvez me dire son nom? Il est peut-être croisé. Oui, il s'appelait Gabriel. Un griffon... pas plus âgé de 18 ans. Laisse tomber, elle se met à chialer. Madame, vous allez bien? Ah, je suis désolée. Mais enfin... Je suis tellement désolée, j'ai rien pu faire pour Gabriel. Quoi? Qu'est-ce que... Quoi? Il s'est passé quoi? Il a un petit peu les yeux
qui commence à briller. Oh, le pauvre. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait? J'ai lu le chiffre, j'ai fini par en fait. Putain. Je suis en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez croisé? Oui, on faisait un feu ensemble et Timberwolf s'est venu et il m'a dévoré. Là, il s'est détruit de l'intérieur. Pardon, il n'y a rien pu faire. Et elle pleure encore plus. Il est figé, tétanisé, le gars. Les larmes coulent sur ses joues. Il pétrifié, il ne bouge plus. Ouais, c'est pas quoi faire, hein. Le pauvre vieux. En plus, elle pleure aussi. Je suis désolée. D'accord. Je sais plus quoi dire. Merci de m'avoir tenu au courant, je suppose. Et si elle peut faire quoi que ce soit pour vous, n'hésitez pas, pardon. Ça ira. J'ai juste besoin d'être seul. Pendant ce temps-là, t'as tous les autres qui regardaient la scène, genre waouh. Ouais, baisse les yeux et les oreilles honteuses. Et elle remurmure un pardon. Il y a Gold qui aura baissé ses oreilles, un petit peu attristé de la nouvelle quand même aussi. Quoi, le connaissait aussi? Bah non, mais t'annonces une mort, c'est joyeux pour personne. Ouais, c'est vrai. Mais réjouissons-nous en se disant que cette ponette est trop kiki, voilà. Ouais, j'avoue. Un peu de fun. Au secours. Bah du coup, elle a juste envie de se foutre dans un trou, là, mais bon... Et elle va... il la regarde toujours, eux quatre ? Non, ils sont retournés sur leur conversation après, mais un peu attristé quand même aussi, genre un peu penaud. Ouais, je vais écouter. Et voilà les plats de Waouh. L'ambiance a vachement chuté d'un coup. C'est ma faute, je suis désolé. Il est passé où le Pégase, là ? Alors ? Il est parti dans sa chambre. Rechialer. Il a appris une mauvaise nouvelle, un de ses amis, et s'est fait dévorer par un Timberwolf. Des Timberwolf. Elle grimace un peu, genre, ouf, c'est moche. Ah oui, c'était très moche. Ah, tenez, mangez, ça va vous refaire du bien. Vous voyez, plus très faim. Mangez, je vous dis, dès que vous aurez goûté à ma quiche, ça vous fera du bien. J'ai envie vous verrez. De quiche maintenant. Oh, eh bien, on se Pardon. Fait une quiche. Pardon, dès que vous aurez goûté à ma wish, ma wish Lorraine, vous irez beaucoup mieux. Gracias. Je suis désolée pour votre ami. C'est pas un ami, c'est un client, mais merci quand même. Bon, c'est vrai qu'il passait souvent dans le coin, donc ça m'attriste pour lui. Le pauvre. Ouais. Vous voyez, je pense pas qu'il servirait à quelque chose pour vos aventuriers. Elle dit ça à Gold. Mais c'est un mâle, c'est pas une gonzesse en fait, le servier. Et ben maintenant c'est une fille. Non, c'est un mâle. Ah bon? Oui, je suis trompé. Ah bah d'accord. Ah d'accord. T'as entendu ce qu'elle a dit à Gold ou pas? Donc oui, vas-y, excuse-moi, répète. Vous voyez, je pense pas qu'il servirait à quelque chose pour votre guilde. Ah, vous savez, c'est pas parce que vous êtes pas spécialement doué en combat que vous servirez pas. Moi, je suis pas une grande combattante non plus, par exemple. Ah bon? Vous faites quoi?
Je suis plus dans les potions, l'alchimie, tout ça. Oh, mais y a vraiment rien pour faire pour lui. Y a des choses, des fois, où on se retrouve impuissant. Même le plus grand des aventuriers pourrait se retrouver pareil dans ce même genre de situation. Ouais, mais si ça avait été Storm, il les aurait dégommés, voilà. Bon, arrête. Avant, j'étais un personnage légendaire. Maintenant, je te retourne des novices. avant, je défonçais des dragons avec mes sabots. Et maintenant, je suis une pacifiste. Au secours. Estime-toi heureux parce que c'était des Timberwolf, pas des ombres. Non, mais attends, c'est quoi cet accent? Je suis parti sur l'Indien. Non, c'est pas l'Indien, là. C'est l'arabe plutôt, genre qui nous dit que le sable est chaud comme les brochettes kebab. Le sable est tout comme les brochettes kebab. Bref. Bah, elle baisse un peu la tête. Et elle va picorer la Wish Lorraine. Qui est très bonne. Et du coup, elle va la manger. Attends. Ouais, j'avais dit. C'est quoi les lardons? Non, il n'y a pas de lardons. Au secours. C'est du tofu. Ok. Putain, on fait des carbos ce soir. Bah, si tu veux, tu les fais. Oui, j'ai faim. Bon, grosso merdo, ça va. La journée, enfin la soirée va se passer. Mmh. Les autres seront repartis dans leur chambre là-haut. En tout cas, c'était bien bon. Oui. Ah, ravi que ma wish vous ait plu. Ma wish, putain. Pourquoi wish? C'est à cause du grand détournement. Ah, d'accord. On dit une wish, Lorraine. Mmh. Ouais. Bref. Vous voulez un petit dessert? Ah, je vais là, je vais là. Non, merci, ça ira. Bon, comme vous le souhaitez. Je suis petite, je mange pas beaucoup. Il va survoler un peu son comptoir. Je vais vous guider vers vos chambres. D'accord, merci. Vers votre chambre. Oui, si, vers votre chambre, mesdames. Eh ben, emmène-nous. Ouais. Emmène-nous. Emmène-nous. Ah bah, je pensais que t'allais déplacer tous les pions, moi. Bah, que nenni, va aller. Ah bah, d'accord. Je suis écrasée. Oui. Ça sera dans cette chambre ici. D'accord. Gracias. Merci, monsieur. Hein? Ah, c'est elle qui dit merci, monsieur. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Bon, vous avez une préférence pour un côté du lit? Oh, n'importe. Non, elle veut le côté gauche, parce que ça lui rappelle. Attends. Je vais prendre le côté gauche. D'accord. Celui-là. Attends, non. Non? C'est celui en bas. Ça dépend dans quel sens je tournais la tête. Et ben, fuck, voilà. Elle va se coucher. Et elle va faire sa prière. Mais elle le fera à voix basse pour pas trop déranger Gold. Et ça dormira tranquillement, paisiblement. Alors. Aussi paisiblement que possible. C'est un cauchemar, moi. Ah non, ça va. Je vais mieux. Je vais mieux. J'ai bien chialé, là. Le lendemain matin. Le lendemain. Qu'est-ce que c'est bien l'atout vigilant? Hein? Qu'est-ce que c'est bien l'atout vigilant? Ah, t'as pris l'atout vigilant? Oui, pour avoir plus d'eux en perception. Comme ça, je suis laissé cool. Un des quatre. Ah, c'est cool, ouais. Mm. Bref, excuse-moi. Donc, tu seras réveillé par les étirements de Gold. Mm-hmm. Et qui se lèvera. Du coup... Hola. Bonjour. Vous avez bien dormi? Ah oui. Elle cherche un peu ses lunettes sur la table qu'elle avait mis à la balle. Mais en fait, elle les a fait tomber. Oh non. Oh non, je vais encore mettre... m'aider. Je vais encore mettre une demi-heure à aller chercher. Ça me rappelle quelqu'un. Non, elle les a vraiment fait tomber?
Non. Ok. Bien dormi ? Oui, ça va. Et vous ? Ça va, oui. Je crois qu'elle a déjà dit. Et encore merci pour la chambre, c'est... Sinon, j'allais dormir dehors. Oh, eh bien, de rien. Merci pour le repas. C'est la moindre des choses. Bon, elle lui fait un petit sourire, puis elle se lèvera. Je suis une naine. Mais je suis sûre que je suis pas la plus petite. Elle tient la porte. Gracias. Pom 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 pom, je descends gaiement. Téléporte en bas. Pom 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 pom, niquer sa maman. Pardon. Elle baillera un peu, tu sais, sur le chemin. Ils seront là. Hola. Hello. Ah non, c'est hola. 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 Elle s'en fout de ma gueule. Non, c'est lui qui... Hola. Un petit déj, donc. Ah, bah, d'accord. Bah si, allez. Cadeau de la maison, je peux bien vous faire ça. Ah, Windsaddle, en fait. C'est mon nom. Ah, Skoulamor. Gold Ocean. Ça, j'avais entendu tout à l'heure. Enfin, hier. Ah. Allez. Yep, Wind Saddle. Mm-hmm. Je vais te le mettre dans tes fiches. Il est trop beau, pardon. Je peux le ken ? Je Peut-être. Peux le mettre dans mon harem ? Non. Mais. Il est dans tes fiches, dans la ville de Farmarine. Il est beau. Oh ! Beau gosse. Ouais, j'avoue. Et voilà, donc il vous sert à des œufs. Vous mangez des œufs, bah les couilles. Bah. Gracias. Ce sont de très bons œufs. C'est des œufs de griffon. Oui, c'est les œufs de Gabriel. Ah. Mais c'était un mâle. Oui, il en avait que deux. Oh, c'est dégueulasse. Jusqu'au bout, c'est dégueulasse. Ouais, mais il avait pas qu'à porter un nom de connard, pardon. Mais moi j'aime bien Gabriel. Comme nom. Oui. Pas le connard du coup, mais... Oui. On a connu un Gabriel qui était pas cool. Enfin bref. Enfin. Bon, vous mangerez tranquillement. Est-ce qu'il y a des épices ? Pas tant que ça. Ah, bah... Un petit peu de poivre ? Est-ce que tu penses que ma famille m'en aurait glissé dans mon sac ? Oh, peut-être pas non plus. Bah les épices, c'est la vie ! Madre de Dios. Madre de la luz de la muerte. Madre de la luz de la muerte. Aïe, aïe, aïe. Bon, on devrait pas trop tarder non plus. Cool. School à mort. Ou à mort, si vous voulez. On va pas trop tarder à mort. On a vraiment beaucoup de chemin. Oui, d'accord. Et vous suis. À peu près 2 jours et demi de voyage. Loche la tête. Eh, on y va. Eh bien, merci pour tout et encore désolé pour votre ami. Ah, ce n'est rien. Passez un bon voyage. Et n'hésitez pas à nous ramener des clients et à parler de nous. Oui, elle est ferrée. On lui fait un gentil sourire. Et que la loose de la muerte vous guide. Toujours. Toujours. Vous aussi. Il sourit. Oh, quel végé. Je veux le ship. Et elle va suivre Gol. En fait, je savais pas si t'allais me la mettre à moi ou à Lucky, parce que Lucky aussi il l'a vu. Ouais, mais non, je l'ai mis à toi. Je l'ai mis à toi parce que comme je sais que c'est à la base ton perso, je voulais savoir si je voulais la tester avec toi pour savoir si je la jouais bien. Oui, tu la joues bien. Donc ça va pas durer à jouer. Je vais juste tirer les cartes événements pour savoir ce qui se passe sur le long de la route. Et à part quelques mauvais temps de temps en temps, il se passera pas grand chose. Oh, tant mieux. Ça serait con qu'elle meure elle aussi. Ouais. Mais elle saura mieux se défendre. Oui, c'est vrai. Elle est légendaire. Disons que l'autre il a pas eu le temps en fait de se défendre. Oui, c'est ça. Ouais. Le pauvre.
Parce qu'ils m'ont fait des dégâts de malade en plus, ces trucs. Bah oui, j'ai bien entendu, hein. On peut arrêter d'en parler maintenant. S'il te plaît. Limite, ils pouvaient buter des dragons avec ça. Mais tais-toi. Ah. Rie. Beau, c'est beau la vie pour les grands. Mais ferme ta gueule. Le voyage se passera. Ok. Tu auras le droit de la discussion si tu le souhaites avec la madame. Pas spécialement d'idée là. Mais je pense que je vais lui demander de me parler des plantes et de ce qu'elle connaît. Elle te fera tout un exposé du coup sur les plantes, ça y a pas de problème. Ah ça je m'en doute bien. te donnera les capacités. Les capacités, les effets de chaque plante, genre le pissenlit, le plantain, le lavande, le blablabla. J'aurais pas tout le speech, blablabla. Ouais, si on croise des plantes en chemin, elle peut me montrer aussi. Mmh. Et elle te présentera quelques potions, mais elle te dira, si jamais on croise des Timberwolves, je leur crame la gueule avec cette potion de souffle du dragon. C'était un zèbre... d'il y a longtemps qui utilisait ce genre de technique. Ah d'accord. Ouais, elle a surtout un autre truc contre les Timberwolves. Hein. C'est vrai, maintenant que tu le dis, oui c'est vrai. Le répulsif. Un répulsif. Ah bah ça aurait bien aidé Gabriel ça. Le pauvre. Pauvre petit griffon. Yeah. Mais au moins... La Lourdes et la Muerte veillent sur lui maintenant. Au passage, elle t'aura un peu demandé un petit peu plus de détails sur ta culture. Même plus que j'ai écrit sur... Mes conneries. En gros, elle lui racontera l'histoire que... Parce que j'avais flemme de le faire avec l'accent, là. Que c'est quand son père et ses mères et sa famille, en gros, étaient en train d'errer... de ville en ville pour essayer de trouver un foyer et que personne voulait d'eux, que son père a vu la fameuse Luz de la Muerte chasser les dernières ombres qu'il y avait à l'ancienne cité du soleil et qu'ils ont pu y vivre grâce à elle, mais ils l'ont jamais revue. Pardon. Et depuis, ils vivent plutôt heureux et ils n'ont pas eu de problème. Et ils se pensent et se sentent protégés par cette bienfaitrice. Je vois. Et personne ne sait à quoi elle ressemble ? Genre votre père l'a vue selon vos dires, mais elle ressemble à quoi ? Je sais pas, Ruru, tu me l'as pas dit. Je te l'avais dit que c'est marqué dans ton background que c'était je crois que c'était une forme de jument déjà. Oui, c'est une jument, mais une jument qui faisait beaucoup de lumière après. Ouais. Après, je crois que j'avais pas plus de détails et lui non plus. Regarde comment ils sont taqués les deux là. Bon. Je sais juste que c'est une jument et qu'elle aimait beaucoup, beaucoup de lumière avec sa magie. D'accord, je vois. Après quelques jours de voyage, vous arriverez bientôt à Stalingrad. Stalingrad. Oui. Terminus. Terminus. Vous êtes arrivé à destination. N'oubliez pas vos bagages. Et je vais déplacer les deux autres. Vous serez devant une porte, la porte d'une petite maison à l'extérieur de la ville. Attention, je vous déplace. Ça fait un petit toc 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 et puis la porte s'ouvre. On voit la carte oui, là. Vous... Calmez-vous. Moi je suis en train de lire pour l'instant. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je nous ai ramené quelqu'un. Ah super Gold. Vas-y rentre, on a préparé encore une... Enfin Ulrich a préparé une soupe. Il en reste un peu. Ulrich, d'où ça signe?
Mais quelle larve. Larbin jusqu'au bout, le pauvre. Il est en train de prendre son bain pour l'instant, Ulrich. Bonsoir, mademoiselle. Hola. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Salut, Vulcan. Ça s'embrasse sur la bouche. Honteux. Connard. Mais... Ah bah, il s'est finalement trouvé une zonze. Eh ouais. Il ne la mérite pas. Si. Il a bien souffert quand même. Il mérite personne. Tu juges. Oui, je juge. Ça s'est honnêtement, bien passé ton voyage. Oui, oui. Je vais aller me prendre un bain dès que Ulrich aura terminé. Ouais, vas-y, vas-y. Ça devrait pas tarder d'ailleurs. Humber qui prend la parole. Bah, je vous en prie, madame, présentez-vous. Moi, c'est Humber Fanguil. Je suis Skoulamor. Skoulamor. Enchanté. Skoulamor. En un ou deux mots? En deux mots. Ah, ok. Enchanté. Belle Woodcutter. De même. Silverleaf. Voilà, vous êtes très grand. Ah bon? Le mec, il doit s'asseoir sur deux sièges, tu sais. Ah bon? Non, c'est je m'assois sur aucun siège justement parce qu'ils sont pas à ma taille. Du coup, je suis assis par terre et ça fait comme si j'ai été sur un siège. Brittle, c'est toi. Techniquement, il fait presque la même taille que Brittle à 50 cm près. Ouais. C'est 2 mètres et demi presque. Ulrich qui rentre. Ah, Gold, salut. Ah, salut, du coup je vais pouvoir aller me laver. Et c'est quelqu'un de l'ancien temps, la Gold. Qui c'est? Ah, moi je sais, pardon. T'es un perso d'une autre JDR. Non, je l'ai faite pour Vulcan. Mais c'est... Hein? C'est pas vrai. Mais si. C'est ta faute. Oui. Honte. Le grand Vatpony s'approche de toi. Te fixe de son œil. Ulrich Romanov, enchanté. Hola, je suis Skoulamor. Moi aussi, vous êtes très grand. Il te fait un petit sourire. Et Humber qui dit, ouais, mais c'est le mien. Bah oui, c'est cool, ta vie. Moi, en tant que joueuse, j'ai bugué en mode, pardon. Ça y est. Pas trop tôt. Humber et Ulrich, 100 ans, il aura fallu, 100 ans. Ouais, 100 ans et forcé, je tiens à préciser quand même. Faut pas oublier ce détail. Moi, je n'arriverai jamais à regarder leur toujours dans le mauvais dans le mauvais sens, vous. Mais de quoi mauvais sens? Ils ont été foutus dans un livre où ils ont été obligés d'être en couple pour pouvoir le finir. Mais je dis c'est le mien et tout de suite, c'est vrai, ils sont en couple, etc. C'est ah, peut-être t'aurais pas dit ça que je l'ai dit. Hein. Oui. Ouais, t'aurais bon, pas dit ça comme ça. Reine, s'il te plaît. Arrête, Riri. Ne nous prends pas pour des pièges. Bref. Tu les as pas mis dans un livre comme ça pour ça. Bah écoute, quand elle dira c'est le mien... School va la regarder faire « Ah, félicitations !» Elle dira rien, elle aura juste son petit sourire. Il peut m'asseoir? Ah oui, bien sûr, allez-y. Gracias. Eh ben, va s'asseoir. C'est encore une fois le siège du gris. Ah, pardon. C'est vraiment le fou, lui pique sa place. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, voilà. Non, mais c'est pas grave. Non, mais reste dessus. C'est trop bien. Le parce qu'avant, il était assis là. On lui a ouvert et il s'est assis là. Ah, oh, bah il a qu'à s'asseoir sur sa meuf, voilà. On va pas nous faire chier. Direct. C'est plus l'inverse qui se passe. Oh. Et vous appelez comment? Connard. Moi, c'est Vulcan Order. Enchanté. Tu as le droit de faire un jet de culture G. Mais j'en ai pas. J'estime qu'elle est stupide. Je te rappelle qu'elle connaît 3 dirigeants sur... Bah, t'as le droit quand même, on sait jamais. Ok. Les histoires, ça arrive. Si tu veux te mettre un malus, c'est toi qui vois, mais... Ouais, non. Ok. À la limite, ça lui évoque quelque chose, mais... Ouais. Elle me dit un truc, mais je sais pas quoi.
Il sourira. Vous êtes célèbre ? Pas autant qu'Ember. Pour les mauvaises choses. Ah bon, vous êtes célèbre, vous ? Ah bah... Ah, oh, j'ai mal à mon ego. Ah, oh, mon ego. Non, mais elle est con, excusez-la. Oh, j'étais une exploratrice de renom avec Ulrich. Ouais, mon perso, ça, d'ailleurs, tiens à dire, depuis que t'es rentré, il te fixe ton perso, Lopi. Mmh. Bah. Mon perso, il peut pas s'empêcher de dire « Oui, ils viennent de l'ancien temps !» Quel ancien temps ? Le vivre éternel, bien sûr. Quel autre ancien temps ? D'accord. On va les couilles. On va les couilles, frère. On va les couilles, frère. Excusez-moi, mademoiselle Skoulamour. Skoulamour. Oui ? C'est quoi ce que vous avez sur le visage ? C'est de la tenture. Tenture ? Quoi ? La tenture. La tenture ? La tenture. Gracias. Excusez-moi. C'est pas Pourquoi grave. C'est pour rendre hommage à la lutte de la muerte et effrayer les ombres. La quoi, de quoi, faire peur à quoi? Ok. Bah alors, ça... Ça connaît l'ancien temps, ça connaît pas les ombres, bah alors, Galza? Oui, il est... Mais Silver, lui, il a... Il est un fan des héros, des trucs comme ça, hein. Il sait pas trop... Les ombres, mine de rien, il y en a pas eu tant que ça. Mmh, c'est vrai. Ça commence bien, tu m'étonnes, Oscar. Je crois que je vois, mais je ne suis pas sûr, mais je vais faire comme si... Attends. Je mets un gif et je suis à vous. T'es pas rentré en chantant Bouyaka Bouyaka, je suis déçu. Quoi ? T'as dit ton... T'avais une musique, on aurait dit un truc de... Catcher. Ah non, il parlait de... d'autre chose. La quoi, de la quoi ? La lutte de la muerte. C'est... un jument très puissant qui a chassé les ombres de la Cité del Sol et qui nous a permis de trouver refuge là-bas. La Cité du Sol. Oui. Cité du Soleil. Je pense que tu peux préciser il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Et depuis, on l'a... Putain, comment ça se dit ? Vénère. Merci. On la vénère. De la loupe. De la loupe. Mais de qui de... Vous avez le nom de cette personne? Non. Une apparence? Non. Comment vous êtes sûr que c'est elle qui a poussé les ombres du coup? Parce que mon père il avoue. Et du coup il vous votre père il avoue. Votre père c'est vous? Attends. Et du coup, il vous a pas dit à quoi il ressemblait ? Mais il a dit que c'était un jument qui émettait beaucoup de lumière avec sa magie. Mais il a pas vu plus. Elle est partie très vite. Célestia ? Est-ce que ce serait la princesse Célestia ? Mais non, c'était une licorne, pas une alicorne. Ah bon ? Ah bon, bah tant pis. Je remballe. Mais non, c'est mon perso, il est en mode. Ah bon, il se gratte un peu la tête en mode perplexe. Et vous souriez gentiment. Mon perso, il est toujours perplexe. Non, Ember qui ne sait. Qui je lui ai fait un jet de culture G pour que dalle. Et vous devez le faire tous les jours ? Ben non, c'est de la tenture. C'est tous les mois. Mmh. Ça tient bien ? Ben, ça ne tient à moi. À peu près. Oui, mais vous êtes avec l'eau ou... Qu'est ? Avec l'eau ou autre, par exemple ?
Bah non, elle te dit que c'est de la teinture, pas de la peinture. Oui, mais je comprends pas. C'est ce que dit Amber. C'est ce que je réponds aussi. Oui, mais genre, je comprends pas bien. J'ai jamais entendu quelqu'un avec un accent comme ça. Je suis jamais sorti de chez moi. Moi, je regarde Ulrich et je fais... Ça vous dit quelque chose, cette histoire? Monsieur? Faire un jet. Ouais. Pendant qu'il fait son jet, elle te regarde... je sais plus ton nom. Woodcutter. Elle te regarde, Wood, et elle dit... Ah, pardon, je vais tenter de bien articuler. Non, mais parlez comme vous voulez, c'est juste moi qui n'ai pas l'habitude. J'étais pas en train de dire que vous parliez mal ou quoi, désolé. Ah non, juste, mais. J'ai pas l'habitude d'entendre ça. Je veux pas vous embêter avec mon accent, je suis désolé. Pour répondre à Leaf, à Silver. Il regardera juste un moment Amber, il fait non, et puis il va te regarder toi, non, j'ai jamais entendu parler. Oh, mon perso, du coup, il sait pas, il sait pas non plus. Et que pas ça. Qu'est-ce que c'est que cette débile. Qu'est-ce que c'est que cette carabistouille? Qu'est-ce que c'est que cet énergumène? Qu'est-ce que c'est que ces simagrées? Qu'est-ce que c'est ces poneys qui sont plus petits les uns que les autres? C'est toi qui es grand, connard! C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et... Attends, je veux juste faire un truc parce que c'est rigolo. Ah oui, d'accord. Je fais plus de deux fois ta taille. Si tu tombes sur moi, je suis morte. Ouais, t'es plus petite que moi aussi, mine de rien. Oui, oui. C'est pour. Et je fais déjà deux fois ta taille, Golden. C'est beau. Ouais, déjà, quand tu vois la culerie, qui est censée être grand. Spoil. Oscar, supprime avant que je vienne sur le Discord. Ah, s'il te plaît. Je supprime. Patate. Voilà. Le qui, il sait. Merci. Pas. Qu'il est bête, celui-là. Distrait. Très. Très. J'ai dit 10 traits et pas 10 traits. C'est donc, c'est donc la blague qui est invalide. Mais si, on a 10 traits. Non, j'ai 10 traits et pas 10 traits. Très. Bah moi j'ai dit vos gueules. Voilà. C'est bien ça. Ça venait du cœur. Bref. Et alors, c'est vous les aventuriers? Oui, bien sûr, on a tellement d'expérience. Tu le dis? Non, non, mais il va faire oui, oui, enfin, je crois. Pour l'instant, l'agence ne s'est pas encore totalement lancée, dira Amber. Oh oui, purée, c'est vraiment ça avec la vidéo qui a été mise. C'est l'agence tout risque. T'attends. Il y a Barracuda, ouais. C'est moi. Toi, t'es Hannibal. On a à peine commencé les phases de recrutement et on a pour le moment eu aucune mission. Oui, il y aura personne. D'accord. Et puis c'était... Bah, il ne va pas vous déranger plus longtemps. Ah, tu ne restes pas? Bah, je pense pas que vous serez très utile. Bah, quelles sont tes capacités? Je suis sûr qu'il y a moyen de trouver quelque chose. Le maquillage. La teinture. Alors la couture, le ménage, la cuisine. Ben voilà, c'est parfait. La cuisine. 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 La cuisine. Non, sérieusement. Ben, je sais pas faire grand-chose et puis... T'es une licorne, t'as bien quelques sorts dans ton répertoire. Oui. La cuisine. On peut toujours lancer des pierres avec la télékinésie, non? Pas le sort télékinésie encore, il est que aguerri ce sort. Vous serez sûrement plus utile que moi. Vous avez vu comment je me traîne? La dégaine que je me traîne. Bah pourquoi vous dites ça? Je suis vieux, j'ai pas toutes mes forces. Oui, alors? J'ai aucune expérience. Bah moi non plus, il n'y a pas d'expérience, moi, il était envoyé. Oui, mais vous êtes jeune, vous pouvez l'avoir encore. Moi, il me reste pas. Il me reste plus grand-chose. Super. Qu'est-ce qu'il fout là, lui?
Elle hausse un peu les épaules. Mais il est envoyé par ma familia pour aller chercher la fleur au sommet de la montagne. Je suis en train de voir, Luki, elle est malade. Une arme. Oui, elle a une arme. Ah là, donc du coup, je suppose qu'elle est visible. Pour prêcher la bonne parole de la luz de la muerte. Oui, elle est visible, certainement. Du coup, on voit qu'elle a une jolie rapière à sa ceinture. Vous n'allez pas me dire que votre arme est là pour faire joli? Ah, c'est seulement pour me défendre. Si vraiment il le faut. Bah c'est parfait. Pour l'instant, je pense que vu notre notoriété, nos missions consisteront surtout à faire de l'escorte et de la livraison de marchandises. Donc, en soi, se servir d'une arme n'est pas forcément de trop, mais c'est pas le plus utile non plus. Mmh. Enfin... Après, j'imagine que vous avez un répertoire de sorts aussi. Oui, quelques-uns. Il peut guérir quelques trucs. Eh ben, c'est parfait déjà. Rien que ça, un sort de guérison, c'est bien. Qui est que tu traites de plouc? Trouc, pas plouc. Ah pardon, je vais parler plus fort pour vous, papy. Le truc que quand t'as quelqu'un qui comprend pas et que du coup tu lui parles lentement, oui, et fort, pire. Mais ça change rien. C'est pire. Si tu veux savoir, ma chérie, c'est abuelo pour papy. Ouais, mais je m'en fous. Ou abuelito pour... Ici, on est raciste. Elle parle avec un accent... Mais laisse-le, mon accent, il est bien. Mais non, mais je dis ça pour rien. C'est méchant. Toujours critiquer mes voix. Pendant ce temps, mon perso, il pose un autre outil et il commence à vérifier si l'outil est correct sur la table. Il a plein de tâches, ton perso. Je viens de me rendre compte, j'étais en train de me dire, mais il y a des tâches sur mon écran. Il est trop beau. Attends, je mets l'image. Ah oui, il est joli, mais c'est juste sur le coup, je me suis dit... Là, tu la supprimeras après que le qui voit pas. Ouais, attends, je la mets... Mais je vais l'envoyer directement en privé à... Ouais, voilà, on va là en privé. À Golden. Je l'avais pas mis sur mon DA. Je pense pas. Non. Si. Je veux tout l'aide, vitesse. Ok. Il y est, mais bon. Il y est, mais j'avais pas dit qui c'était, ouais. Enfin, pour qui c'était. T'as dit que c'était pour quelqu'un avec qui tu faisais du RP, c'était tout. Oui. Non, j'ai juste mis commission pour un ami, voilà. Ah oui, c'est vrai. Oui. Du coup, c'est en cours d'envoi, Golden, tu vas pouvoir voir mon perso. Goledan. Alors, elle est bien, ma perso. Et rigolote. T'as vraiment cru, Gals, que je ferais une voix de chouin pendant tout le... J'en sais rien. Te connaissant, je ne sais pas. Pour le drama, t'aurais très bien pu. Non, please. En fait, hier j'ai fait croire à Gals que la voix de mon perso, ce serait les voix de pouf que j'ai fait pendant... Ah, hier, c'était plutôt tard dans la nuit. Oui, bon. Ouais. J'ai dit que je parlerais comme ça tout le temps. Insupportable. Je pense que Ruru m'aurait tué à la fin, donc je me serais auto-tué aussi. Non, mais trop pas, quoi. Je m'appelle Connasse Tiara, je suis trop une pute. Pardon. Oui. Du coup. C'est pas encore envoyé. Attends. Golden. Oui, tu vas avoir le truc. Attends. C'est un peu long. Et pédaler plus vite là, c'est-à-dire pour la co. Je suis en train de pédaler pour essayer de faire arriver à la co plus vite. Marfi? Ouais. Marfi ou Merfredi? Arrête de m'embêter. Mais qu'est-ce qu'il dit? Marfi? Parce que j'ai écrit Marfi au lieu de Mardi. Marfi. Enculé. Bon, ça suffit. T'es un enculé sur le coup, quand même. Le furby.
Elle est trop bien cette putain d'image. Bon, mais ça suffit là. Est-ce qu'on peut RP? Let's go la musique. Andiamo la salsa. Ah, vous n'avez pas la musique. La sambra. On n'a pas les musiques. Pas la musique. Bah, si, mais la musique. Oh, ça donne envie de danser. Un peu. Ça s'est mis dans la scène, près. Voilà, ça y est, ça va être envoyé. Golden. Ouais, bref. Quoi qu'il en soit, en soi, vous pouvez parler tranquillement parce que j'ai pas grand chose à vous faire faire en attendant le prochain perso de Lucky. Et je vous couperai au bout d'un moment. Car il rejoindra plus tard. Je vais ranger mes dés. Et du coup, moi qui est un peu curieux, je demande, vous faisiez quoi avant de venir ici? Tu demandes à qui? À toi. Eh bah, il était dans ma famille. Oui, mais vous faisiez quoi comme travail? il aidait ma famille. Luchador. Aider, oui, mais faire quoi? Mon perso, il est en mode totalement innocent, en mode... Les tâches ménagères, et puis la cuisine, pour le coup. Élever les plus petits, et aller chercher du bois, tout ça. Ah, d'accord. Pas de métier, comme pâtisserie, par exemple, pâtissier, boulanger, ce genre de choses, non? Non. Pas spécialement. Enfin, pas plus que les autres. Ah, d'accord. Et vous? Je suis forgeron. D'accord. Et vous forgez quoi? Des épées, boucliers, outils, un peu de tout. Je forge aussi des outils. Je reforge aussi mes outils, je maintiens les épées. Un petit peu de tout. Moi j'étais charpentier. Charpentier? Oui, carpenter. D'accord. Je ne le suis plus depuis longtemps, mais je peux encore faire 2-3 petits trucs. C'est pas compliqué. Et pourquoi vous êtes venu ici? Je voulais voir le monde. Sortir de mon petit village. Et vous, monsieur? Non, rien, le monsieur, il est en train d'encaisser. Encaisser quoi? Le perso de Gal. Pourquoi il faut l'encaisser? Je me comprends et je pense que Ren, il voit de quoi je parle. Totalement. Je comprends pas. Mais quand reverrai-je de mon petit village? Pardon. Quand reverrai-je? Pays merveilleux. Pays merveilleux. Monsieur, vous allez bien? Ben, j'ai dame et peut-être ça se verra qu'il est pas bien. Oh, j'ai dame. Ah oui, non, j'étais en train de réfléchir. À quoi? Si c'est pas un... Ah non, rien. J'ai pas fait attention à ce qu'on disait, excusez-moi. Ouais, yep. Tant pis. Et vous demandez pourquoi vous êtes venu ici? Ah, ben... Disons que j'ai fait ma crise de la quarantaine 30 ans plus tard. Ah! Elle a ah qui venait du cœur! D'accord! Oui. Oui. Non, mais c'est juste pas quoi dire. Ah. Je sais pas trop quoi dire non plus. Et vous vouliez aussi voir du pays à.
On va dire ça, oui. Quelqu'un qui m'a donné envie. Faut dire qu'en 72 ans, j'ai jamais été plus loin que 10 ou 20 km autour de mon village. D'accord. C'est encore un blanc. Non, elle réfléchit. Bah, moi non plus, il n'était pas sorti de mon village avant quelques jours, quelques jours. Et justement, vous, pourquoi vous êtes parti? Vous avez été sur le trajet? Pour vous? Ah! Pardon. À l'aide! Lame, vite! Ah, ça va! Elle m'a refait un peu. Je vais mieux! Je vais mieux! Ben. Le premier jour, j'ai rencontré quelqu'un et il s'est fait. Il s'est fait dévorer par des Timberwolves. Ah! Bon, personne ne réagit pas. Le cerveau, il a fait pump. Je suis désolé. Il n'y a rien pour faire pour lui, le pauvre. Il baisse un peu les oreilles. Genre en mode, je suis nul, putain. T'es pas joué, Jack. T'es mauvais. T'es mauvais. Tu vas chialer. Il va chialer. Oh, c'est bon, on a déjà chialé. On va faire que ça. Pisseuse. Pardon. Et ensuite, j'ai rencontré Madame Gold. Et on a fait les chemins ensemble jusqu'ici. Bah, tant mieux que vous l'ayez rencontré. Mes condoléances. Mon perso qui réagit 3 secondes, 3 heures plus tard. 100 ans plus tard. Pas très réactif, le petit Silver, dira Vulcan. Je regarde Vulcan et je lui dis sinon, j'aurais pu laisser votre épée dans l'étal dans lequel elle était. Hein. Mieux vaut tard que jamais, de toute façon. Bonne répartie. La répartie, je sais même pas si c'était vraiment une répartie ou pas. C'est une menace. Vous auriez pu, mais vous ne l'avez pas fait. Bah, vous avez payé, donc bon. Ou comme vous auriez pu rester dans votre forge, mais vous ne l'avez pas fait. Il ment. Quoi qu'il en soit, je vais pouvoir me mettre en pause ici, puisque Lucky arrivera après sa session quelques temps plus tard. Ok. En espérant que ça vous ait plu. Mais attends, la baignoire est dehors, je viens de voir. Oui. Oui. Mais alors, Vulcan, tu vas pas rejoindre ta femme? Si, justement, allez, c'est parti. Hop. Ah bah voilà. Il ira. Ah, il passe à travers le mur, il s'en bat. Bravo, dans la baignoire où tout le monde se lave. Eh bah, eh. Ah, écoute. Moi de mon temps, hein. Moi de mon temps, il n'y avait pas de baignoire. Dans le noir, la lumière. Dans le noir, juste à deux, dans le bout de la production. Bien sûr. Sans se regarder. Ouais, c'est ça, ouais. 7 enfants, moi, madame. Vous avez eu 7 enfants? Oui. Ouais, félicitations. Ils ont repris la boutique de la mère et la mienne. Attends, mon père, il a eu combien de gosses déjà? Je sais même plus ce que j'ai écrit. Je crois qu'il en a eu 3. Ou 4. Moi, j'ai envie de dire 10. Non, c'est pas 5. Mal comme chiffre. 5. Ah, il en a eu 5. Ouais. Ouais, mais il a triché. Ah bon? Je dis rien. Il a triché, il a perdu. Ah? Moi, il y a 4 autres sœurs. Ah, 4 sœurs? Pauvre père. Pourquoi? Parce qu'on a toujours envie d'encore plus bichonner les filles, parce que c'est de petites princesses quand on les a. Mais en avoir 5,
Il devait avoir le cœur bien accroché. Lève un sourcil. Mon perso, pardon, il comprend pas tout ça, donc il parle avec Ulrich. Elle lève un sourcil en mode « Je suis pas sûr de vous suivre. » Juste dans la conversation, Ulrich sortira. Mm. Et Humber aussi. Les filles que j'ai eues, je les ai peut-être un peu trop chouchoutées par rapport aux garçons, mais c'est peut-être aussi à cause du point de vue qu'on a de là où je viens, où on a plus rugueux, on va dire, les mecs qui font les travaux physiques et les filles font des travaux un peu moins physiques. Et du coup, on bichonne nos filles. Ah d'accord, nous on fait tout. Tous ensemble. Il parle pas de la ville, il parle de sa famille. Oui, oui. Elle aussi. Moi, j'ai jamais... Moi, ma famille, ça a été mon père, ma mère, mon grand-père, et tout. Mais vous voulez pas venir plus près de nous, vous ? Et ça va être compliqué, il va falloir que je bouge tous ces sièges. Eh ben, elle lui tire la chaise. Alors toi, t'as beau être grand, tu peux quand même t'asseoir dessus, faut pas déconner non plus. Oh. Voilà, c'est mieux. Plutôt que de crier pour se faire entendre. Je crie pas. Non, mais moi j'écris pour vous parler. Je vous entendais très bien sans que vous criez. c'était une blague. Mm. Ah bon. Là, au secours. Le perso de Gal avec le perso de Lupi. Correct. Moi j'aime bien la version que j'ai faite avec mon perso dans la Riot. Quoi? Ah oui, je préfère celle de... De Goldan. Tu peux la mettre? Je la cherche. Elle est sur DA. Je sais laquelle c'est. Et non, mon perso ne fera pas ça. Bref. Du coup, je vous conseillerais de garder ce que vous avez à dire pour l'instant, puisque quand tu auras le personnage de Lucky. Donc je vais mettre fin à la session. Oui. Et j'aimerais une minute de silence. Pauvre Gabriel. Pour le petit Gabriel. Gabriel. Vas-y, montre-nous Gabriel, son image. 18... Gabriel, 18 ans. Oui, le fou. Quand tu sais qu'il a 18 ans? Parce que je viens de le dire. Non, moi, franchement, j'ai dit 18 ans au pif. Oh, mais je l'avais dit juste avant. Oh non. Oh, il est tout chou. Oui. Le descendant de Griff. Sérieusement? Peut-être. Sérieusement? Non. Non, non, mais... Personne ne le saura. J'ai envie de dire... On saura jamais, c'est la faute de qui, hein? Flon. Je mets fin à l'enregistrement ici, voilà, à suivre, au secours. La faute à qui, j'ai envie de dire,